Hey, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un panneau solaire, son régulateur, la batterie. Au lieu d'acheter un kit solaire tout compris, vous pouvez vous le faire vous-même et ça revient moins cher, je pense. Alors je vous montre. Ici, dehors, on a le panneau qui est là. Voilà. Voilà, donc c'est un panneau solaire 12 volts, 190 watts. Il délivre jusqu'à 10 ampères quand le soleil est en plein dessus au milieu de la journée, vraiment. Donc de là, vous avez les câbles qui sortent du panneau solaire, qui viennent au régulateur. C'est un régulateur qui est un peu gros, vous pouvez mettre plus petit, mais bon, vous avez celui-là. Donc le régulateur, la batterie et bien sûr le convertisseur pour le 220. Ce régulateur, je crois que c'est un 20 ou un 40 ampères, mais vous pouvez prendre plus petit pour un panneau solaire. Voilà. En dessous, le convertisseur, c'est un 600 watts. C'est pas un gros. Je modifierai ça après. Et c'est une batterie de 95 ampères en dessous. Voilà. Et une batterie de 95 ampères. Voilà. Donc ça, c'est le montage principal. Panneau, régulateur et convertisseur et batterie. Maintenant, j'ai branché directement une rallonge, vous voyez, un peu grosse hein, quand même, assez grosse, c'est du câble qui est plus gros que 2,5 dedans. Je l'ai fait suivre tout le long, voilà, tout le long au-dessus de la plinthe. Et bien sûr, je viens jusqu'ici au tableau électrique. Au tableau électrique, mais on voyait les deux disjoncteurs blancs, ces deux disjoncteurs nouveaux que j'ai rajoutés avec un inverseur de courant qui est en dessous. Donc position 1, c'est EDF, position 2, c'est mon courant. De là, j'ai alimenté toutes les lumières de la maison. Voilà, non, c'est là, pardon. Voilà, toutes les lumières de la maison sont alimentées sur le panneau solaire et la moitié de la maison, les prises électriques sont alimentées aussi avec. Il me faut ben, la journée ça charge, en même temps on peut utiliser le courant. Et la nuit, une batterie de 100 A suffit largement pour l'éclairage et les prises, à condition que c'est des prises qu'on ne consomme pas, une plaque chauffante, un sèche-cheveux, les prises de chambre, voilà. Ou c'est que vous avez des petits téléphones, des tablettes ou des ordinateurs portables, ça suffit largement. Parce que je n'ai pas la place de mettre un autre panneau solaire pour avoir plus de courant. Mais ça marche super bien et ça revient pas très cher. Un régulateur, le régulateur de charge que je vous ai montré, vous en avez à partir de 40 euros. Un convertisseur, si vous prenez sur Amazon ou eBay, ben, vous en avez des vraiment pas chers. Dans les 60 à 80 euros, vous en avez un, voire même moins cher. Et puis le plus cher après, c'est la batterie. Mais dans les kits solaires, vous n'avez pas la batterie généralement. Il y en a, mais c'est voilà. Donc en tout, ça revient vraiment pas très cher d'acheter individuel comme ça, de se le faire soi-même. Voilà. Et puis un inverseur de courant, bien sûr. Ça coûte, j'ai payé ça 20 euros. Voilà. Pour basculer courant domestique ou votre propre courant. Voilà. Donc si vous voulez essayer de le faire, c'est très bien. Et sur de prochaines vidéos, je m'en servirai pour ma machine Bedini hybride que je ferai marcher une partie du courant avec dans mes futures vidéos. Bon, mais je vous remercie et n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, abonnez-vous et au moins comme ça, je continue à faire des vidéos. Merci.